Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de découverte. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble le jeu Terraformers. Alors, Terraformers, c'est un jeu de gestion au tour par tour qui est actuellement en bêta. Donc il nous a été gracieusement fourni par Goblin Studio, qui sont l'éditeur du jeu. Il a été développé par Asteroid Lab, si je ne me trompe pas. Donc le jeu est encore en bêta, enfin même en bêta fermé hein, du coup, donc on a un accès privilégié. Il est actuellement uniquement disponible en anglais, incompatible manette, et pour le moment il n'y a pas de prix défini. Je vais vous présenter ça. Donc on va se lancer. Donc j'ai déjà fait l'espèce de petite partie tuto et on va lancer la partie. Donc voilà, on dit qu'on est en 2050, donc après un boom de l'industrie spatiale dans les années 2030 qui a conduit à un premier avant-poste sur la Lune, les nations de la Terre se sont maintenant établies sur Mars, et on va devoir gérer cette colonie. Voilà, donc on commence, on a quelques ressources. Donc ici on peut voir les ressources qu'on possède au départ. Donc on a un maximum de ressources qui est de 40. Donc voilà, on a ici notre influence. Notre première mission, ça va être de garder au-dessus, enfin de rester au-delà de 50 d'influence jusqu'au tour 30. Et donc on a les zones, on a Mars ici qu'on voit en entier, et on a la zone de départ, donc qui est complètement aléatoire, donc voilà, sur laquelle on a une première colonie. Cette première colonie dans laquelle il n'y a pour le moment pas grand chose à part un quartier général. Voilà, on va devoir, première chose à faire, ça va être de recruter un leader. Donc ce choix, c'est pareil, c'est un peu aléatoire, ils ont des trucs qui sont un petit peu aléatoires ici. Donc par exemple, lui, le premier, il a trois compétences qui vont être d'explorer, donc on va pouvoir aller explorer une nouvelle région. Il a une compétence qui nous donne plus 5 de nourriture, et une compétence qui, si on sélectionne une ville qui a au moins 3 de population, on gagne 15 de support ou 30 de support si cette ville a 6 de population ou plus. Donc c'est pas mal, je pense qu'on va prendre celui-ci. Lui, il fait quoi? En plus, il a une popularité très, très importante. Ouais. Donc lui, il peut explorer et on peut sélectionner un dépôt de ressources et miner 4 de cette ressource. C'est pas mal aussi, en fait. Hein. C'est pas mal aussi, mais la nourriture, c'est intéressant quand même. Ok, donc on va prendre celui-ci. Donc là on voit les bâtiments qu'on a débloqués. Donc au départ on n'a que 2 bâtiments. En haut c'est le coût en ressources, et en bas ça va être les ressources qui vont produire ou ce qu'ils vont nous apporter. Par exemple le module d'habitation, il nous rapporte une population. Donc maintenant qu'on a recruté, on va aller voir dans notre ville et on va poser notre première ferme qui va nous produire de la nourriture. Donc voilà, on a des, dans chaque ville qu'on va avoir, on va pouvoir on va avoir des emplacements sur lesquels on va pouvoir poser des nouveaux bâtiments. Donc là par exemple je vais poser ma ferme ici, et je vais aller explorer une région. Donc je vais retourner sur la carte générale, et là on voit qu'on a les différentes régions avec les noms des régions et les ressources qu'ils produisent. Donc là par exemple on a du nitrate et du silicate, ici on a du tritium et du nitrate. On voit que pour construire ce bâtiment on va avoir besoin de nourriture. Donc en fait peut-être que au lieu d'explorer on va farmer de la nourriture pour le moment, notre premier tour. Donc on a une action à chaque tour, et donc là on est en 2050. Et voilà, on est au tour 1 sur 30. Ensuite, j'ai vu ce panneau que je n'ai pas encore débloqué. Donc, on va pouvoir terraformer Mars, a priori. Donc, pour le moment, j'en suis pas encore arrivé jusque-là.
Donc on va tester ça. Ok, donc là on passe notre tour, paf. Donc la fondation Marsix nous propose un gros cash prize pour pousser les recherches dans un champ spécifique. Quelle technologie va-t-on utiliser le plus? Alors, donc là je vais avoir un choix à faire. Donc soit je prends des terraced house, donc des maisons terrassées, donc qui me rapportent 2 de population, mais qui me coûtent 20 de nourriture. Ok. Ou alors un projet B. Alors là on voit que le bâtiment il est rouge, donc lui c'est un bâtiment qui va être constructible sur une zone, pas dans une ville, mais à l'extérieur. Donc c'est un collisionneur de particules. Voilà, qui me coûte beaucoup de science et beaucoup d'électricité pour me rapporter de la science derrière. Et lui, une ferme améliorée, quoi, qui me produit un de nourriture et qui me coûte 8 de cette ressource, je sais plus ce que c'est. Je pense que le mieux, ça va être ça. Ou ça, peut-être. Honnêtement, je sais pas trop encore. Peut-être prendre ça en fait. Non, l'énergie, c'est un truc qui est compliqué à obtenir. Je vais prendre ça au départ. Voilà, donc ça c'était un événement spécial qui appartient au tour. Et à chaque tour, on va avoir un nouveau projet de recherche. Donc qui va nous apporter des trucs. Enfin, qui va, non, on va avoir le choix entre 2 projets. Donc là, soit je prends le Medical Center, soit je prends le laboratoire. Donc le laboratoire qui me rapporte de la science et le Medical Center qui me porte du support. Peut-être que le support c'est quelque chose d'intéressant. Je vais peut-être plutôt prendre ça. Donc voilà, là on est donc du coup dans un nouveau tour. Peut-être que je vais directement me construire une maison terrassée. Donc au prochain tour, donc je me prends 5 de nourriture supplémentaire. Et du coup je passe mon tour. Hop, donc là j'ai le choix entre 2 nouveaux bâtiments. Donc l'imprimante à électrons BIM, c'est rayon, non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Donc qui me coûte 5 d'énergie, mais alors le coût des bâtiments en cette ressource est réduit dans la ville. Pas mal. Et lui qui me produit un de nourriture. Par contre, il va me falloir cette ressource-là. On va prendre ça. Un de d'énergie, on va prendre ça. Et du coup, je vais rentrer dans New Victoria et je vais construire ce bâtiment. Donc là, on voit que peu importe où je le pose, ça va me rapporter des trucs. Je vais le poser là. Donc voilà, donc là maintenant j'ai. Ah, ça m'apporte 2 de support et 2 de population. C'est pas mal ça. Living condition. Donc ça, c'est intéressant. Ok, et lui, du coup, on va peut-être reproduire la nourriture ou. Non, attendez, on va pas passer le tour, on va récupérer de cette ressource du coup qu'on va avoir besoin pour faire ça. Collect. Ah ouais, 3 et 3, c'est pas beaucoup. Ah ouais, donc par contre, voilà, on voit qu'on a récupéré des emplacements vides. Des fois, ça va être des mines pour collecter les ressources. Peut-être qu'on va attendre, essayer d'avoir d'autres ressources. Peut-être parce que là, j'aurais bien voulu ces ressources-là. Oh, là, on peut avoir de la. Ah, donc explorer cette région, c'est un défi. Ok, donc on va peut-être aller là-bas. Par contre, j'aimerais bien. Il y a des nuages de poussière, je sais pas encore ce que c'est. Donc là, on va passer notre tour vu qu'on peut plus rien faire de plus. Si je pourrais m'étendre, mais j'ai pas trop envie de prendre cette région pour le moment. On va passer notre tour. Hop. Voilà, donc là. Ça, c'est un événement qui apparaît de temps en temps pour nous dire que voilà, ma population a des attentes plus élevées, donc du coup mon support descend, diminue. Donc là, on a une ferme qui va nous coûter 10 de d'énergie, mais qui va produire une nourriture. Et un autre module d'habitation. Non, on va prendre ça. Hop. J'aimerais bien explorer ici, ce serait pas mal, en espérant avoir un petit large.
Hé. Mais je peux pas aller jusque là. Si, je peux aller jusque là. Ah ouais, j'ai exploré ça. Ça peut être intéressant. Hein. 12, c'est pas mal. 3, 3, 2, ok. Donc là, on récupère les ressources. Un cratère. Fund Crater City. Ok, donc là, on peut faire une nouvelle ville à cet endroit. D'accord, très bien. Donc là, je suis à 8, j'ai toujours pas ce qu'il faut. Ma nourriture, elle monte. Ah oui, j'ai oublié, je peux, comment dire, envoyer des ressources sur la terre. Donc il suffit de baisser ça. Donc je perds 2 de ressources, mais je gagne un truc comme ça que je peux après convertir en une ressource que je souhaite. Donc voilà. Donc là, j'ai fait mon exploration. Je peux aussi changer de leader si j'ai envie, mais ça me coûte une action. Je peux rien construire de plus, donc on va passer notre tour. Un centre médical. J'en ai déjà un de centre médical. Ou un laboratoire. On va prendre un laboratoire. Là, je vais explorer cette région-là en espérant qu'il y ait une mine. 5. Bon, alors là, on va aller dans notre ville et du coup, on va construire un générateur d'énergie qu'on va mettre ici. Hop. Voilà. On va revenir en arrière. Je vais peut-être m'étendre par là. Ah, je peux faire une mine là. Ah oui, il faut que j'étende ma région. On va explorer cette région ensuite. On passe notre tour. Hop. Ah, tiens. Ça me génère de l'atmosphère et de l'oxygène. Ah, c'est intéressant ça. Et ça, encore un truc pour produire de l'énergie. Peut-être que je vais prendre ça quand même. Hein. Ouais, non, je vais prendre ça parce que je vais en avoir besoin. De produire de l'énergie. Hop, alors là, je vais explorer cette zone-là qui va me donner des ressources. Et je vais m'étendre ici pour construire une mine, soit de nitrate ou de silicate. Qu'est-ce que je vais avoir besoin, moi? Plus de silicate. D'ailleurs, je peux construire un laboratoire déjà. On va construire une mine là. Ok. On va ensuite. Oh, c'est quoi ça? Sandstorm. Ok, donc c'est un malus. Tiens, là il y a un milestone aussi. On va aller le chercher après peut-être. J'ai ma mine, donc ici on va construire un laboratoire qui va me donner. Qui va me donner de la science. On va le mettre par là. Ok. Là j'ai déjà fait mon action. Je peux m'étendre encore. On va s'étendre par là, régionner. Ah. Donc je peux pas explorer trop n'importe quoi en fait. Je pensais. Dommage. Donc on va peut-être aller chercher de l'eau là. Donc j'ai déjà fait ça, il faut que je passe. Je vais passer. Ah, je peux pas explorer, je peux pas m'étendre. Direct neighbor origin, expand to. Ok, ouais. Et quand on a tout, quand on est étendu de partout, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, on verra. Ok, donc là, media documentary. Alors un gros centre, enfin une grosse chaîne de médias sur Terre fait un documentaire sur la vie sur Mars. Il nous demande d'un interview. Et ça pourrait être une chance d'attirer des investissements dans un quelque chose de particulier. Qu'est-ce que l'on veut faire? Alors ça, c'est un champ de mineurs, donc ça me donne un de population et j'ai un de trucs pour chaque mine que je fais. Ça c'est pas mal. Ça c'est un truc pour faire de l'atmosphère, mais il faut de l'électricité. Il faut de la nourriture, c'est pas mal, je vais me faire ça. Je vais me faire ça. Ça c'est pas mal aussi, c'est quoi ça, Marcha?
d'autres supportent une population et la population n'est pas affectée par les radiations. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ah mais du coup je l'ai pas mon truc. Ah si, c'est un miner cottage. Je vais faire ça moi, je vais prendre ce truc qui a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'il me faut pour fonder une ville? De la nourriture, de l'eau et de ça. Ça j'en ai pas, l'eau j'en ai deux. On va peut-être explorer ça. On va collecter 3 d'eau. Oh, on en reviendra là après. Je peux rien construire, donc on passe. Là je vais prendre ça, c'est pas mal. Des bains publics. Ça m'apporte 2 de support. Et pour chaque habitation adjacente, ça me rapporte 1 de support en plus. Ça pourrait être intéressant ça. On va explorer ça. On va collecter. Il y a encore de l'eau là. Large in the water. L'eau, j'en produis pas. Il faudrait 12 pour faire ce truc là. Ce serait pas mal ça. Les bains publics seraient pas mal. C'est pourquoi que j'avais besoin d'eau aussi. Ah, pour ça. Et de. C'est quoi cette ressource? Du titanium. Il me faut de l'eau, du titanium et de la nourriture. Bon, la nourriture ça monte, c'est bien. Ça, ça monte aussi. Je suppose que ma nourriture, elle va descendre en fonction de du nombre de. Enfin de la population que je vais atteindre. J'aimerais bien avoir une mine de ça. Je suis bientôt au maximum de ressources. Hein. Enfin, faire attention. Il me faut 12 de science pour faire un medical center. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va passer, de toute façon j'ai pas le choix. Hop. CO2 factory ou resonance station. Alors. Ok, donc ça améliore les centres de production d'énergie. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que j'ai dans ma ville? J'ai ça, donc je pourrais... Alors déjà, ici, ce serait bien de construire ce truc-là. Non, ce truc-là. Par là, là. Parce que j'en ai deux adjacents. Dommage que j'ai construit ça là, j'aurais pu en avoir un de plus. C'est pas grave. Donc... Ça va être bientôt temps de fonder ma ville, je pense. 10 de nourriture et 5 de ça. Alors on va explorer encore. Là, est-ce que je peux avoir une mine d'eau? C'est possible ça? Oui. Water mine, extract water for ocean. Plus 4 océans, c'est quoi l'océan? Ocean rain. Alors déjà on va s'étendre là-bas. Et on va miner de l'eau. Ah, il me faut de cette ressource là. Il me faut du titanium. Là j'ai du titanium. On va peut-être prendre ça. Ah je peux pas. Ah oui, chose aussi, c'est que quand je suis au-delà de 40 de mon maximum, je ne peux pas passer mon tour. Il faut absolument que je réduise ça. Et je ne peux rien construire. Si, je peux construire les bains publics. Ah, ça c'est intéressant, je vais pouvoir les construire là. Est-ce que je les construirai pas là? En espérant faire des trucs d'habitation autour, ouais, ce serait pas bête. Ok. Là, je suis à plus 50 supports, ça c'est intéressant. Je sais pas ce que ça fait quand je suis au max. Donc là, j'ai fait mon truc. Ça, je peux le fermer. Ok. Donc là, je passe mon tour. Alors, je peux perdre un de production en nourriture et augmenter ma production en nitrate. Non, je refuse. Parce que j'ai que un de production de nourriture. Alors. Housing. Donc, ça, c'est pas mal. Et ça, ça améliore ma production de nourriture. C'est pas mal. C'est pas mal d'améliorer ma production de nourriture. Je pense que je vais booster ma production de nourriture. J'aimerais bien récupérer ce truc là. Oh, j'ai plus d'eau maintenant.
L'eau, ça va remonter, non? Ah non, je produis pas d'eau encore. Ah oui, il faut que je construise ça. Alors, on va explorer ça. 4, c'est tout. Putain. Je suis à 4. J'ai trop de science. J'en ai pas besoin. Une mine d'eau, ça coûte moins 8. Je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4. Et là, je me suis gouré. Oh putain, mais quel débile. Ah, oh, j'ai pris la mauvaise ressource. C'est pas grave. Allez, la bouffe, on peut en avoir facilement. Ok. Là, mine. Ok. J'ai fait une erreur. Ça va peut-être me coûter cher, on verra. Donc là, je peux rien construire, on passe. Améliorer ma science. Pour le moment, j'en ai pas besoin de ça. Je vais plutôt prendre ça. C'est un bain public encore, ouais. Donc, je vais aller chercher du titanium parce que je vais en avoir besoin pour ça encore. On va explorer là. Oui, c'est pas mal. Bien. Un lava tube. Un tube de lave. Ok, donc on peut faire une ville ici aussi. Ce qui serait bien, serait que j'ai une ville ici quand même. Donc le titanium, j'ai ce qu'il faut. L'eau, ça va arriver. Prochain tour, on va faire de la nourriture. Construire une nouvelle ville. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? J'ai pas optimisé du tout mes trucs là. Public bus. Alors là, il faut que je produise. Il faut que je construise ça et ça. Ça, ce serait pas mal parce que j'ai pas mal de mines maintenant. Plus 1 en population. Ouais. Donc il me faut de la bouffe. Je vais essayer de me faire ça. Ça d'abord. Et après, ça. Ce serait pas mal. Donc là, faut que je passe. J'ai trop de ressources encore. Attention, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Medical Center, non. Ça, ce serait pas mal que je produise de la bouffe. Remarque, la bouffe, je peux m'en faire comme ça. Ça, ce serait bien que j'en ai deux, ça. C'est pareil, j'ai mal optimisé là. Sun Power, et j'aurais pu mettre ça à côté. Dans mon autre ville, on organisera ça mieux. Je pense qu'on va. Je pense qu'on va. Passer sur une autre ville. On va essayer de faire une autre ville. Je pense que ça va être le mieux. Là. Donc il me faut de l'eau et de la bouffe. Donc là j'ai déjà fait ça. On va passer. Ah mais non, je peux pas passer. Il me faut de l'eau et de la bouffe. Donc la science, j'en ai pas besoin. Hop. Clac. Ça c'est mieux. Ça c'est pas mal, hein. On va faire ça plutôt. Donc là j'ai encore trop de certaines ressources dont je n'ai pas besoin. Il faut de l'eau et de la bouffe. Donc là je vais faire ça. Donc là je suis à 10, il me manque juste un dos. Voilà. Et là, on va conf. Alors, New Banjul. Color. On va la mettre en bleu. Found. Ok, donc là, j'ai une nouvelle ville. On va faire un quartier général. Donc, qui va me donner un déjà d'habitation, je crois. Alors, ce serait bien que je le mette genre par là. Voilà.
biogénérateur. Alors là, maintenant, ce qui serait bien, ce serait que je commence à booster ma production d'électricité. Ce serait intéressant. Donc il me faut de cette ressource-là. Déjà, je peux commencer, bam, comme ça j'en construis un ici. Et après, je construis ce truc-là, là, qui me coûte donc 14 de ça à côté. Donc là, on verra ce qu'on fait après. Choc. Passer notre tour. Alors, un nouveau leader s'est élevé. Un expert en biologie génétique, machin. Ok, donc elle est experte en scientifique. Oh, moins 6. C'est pas grave, je suis à 108. Oh, je suis à plus 0 maintenant. Plus 1. Expectation, plus moins 9. Ah oui, d'accord, faut que je produise assez rapidement quand même. Ok, donc soit j'ai de la population, soit j'ai de la bouffe. On va prendre de la bouffe. Ok. Ça, c'est pas mal. Ok, alors, j'ai besoin de ça, je pense. Là-dedans. Ah, je me suis mal démerdé. J'ai fait de la merde. Je vais prendre ça. Ok. Ah, j'aurais pu construire ça aussi. Presque. Alors la bouffe. La bouffe. J'ai un truc qui produit de la bouffe. Un truc qui améliore la production de bouffe de ceux qui sont collés. Donc j'ai deux trucs de bouffe. Un qui fait avec de l'eau, il me faut 8 d'eau. Et lui, il me faut 10 d'électricité. Donc je peux presque. Je peux presque. Réduire ma science, que j'ai pas tant besoin que ça. Si, ce serait bien que je fasse ça après. Donc attendez, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et ça, on va le construire, faut réfléchir. Là, on peut mettre notre pain public avec ici celui-là qu'on va faire après. Là, on va faire notre truc d'électricité. Ah, j'ai pas d'autres trucs d'électricité. Ouais, donc ça, il va falloir le faire ici. Donc là, ça va être d'électricité. C'est de la bouffe. Et ça, les champs, du coup. Ici, alors, on mettra là le ça. Ok, donc là on passe. Ça, c'est pas mal. Ça, Entertainment Center, on va prendre ça peut-être là-dedans. Peut-être là-dedans, ce serait pas mal de le mettre là, ça, l'Entertainment Center. Il me faut 3 d'électricité, prochain tour je peux construire ça. Ok. Pas recycler les bâtiments, c'est dommage. Là. Il va falloir que je construise ça. Il faut de la bouffe. Tac. Je suis à 0 là. On va passer. Ok, projet suivant. Alors, 1 pour 3 de population. Ok. Là, ça me fait plus 3 de population. Et ça me permettra de terraformer. On verra plus tard. J'aimerais mieux prendre ça. Ouais. Alors, ici. Ah, ok. Le coup, ouais, c'est pas terrible ces deux trucs là. C'est pas terrible, ça c'est presque mieux. Alors, là j'ai de la bouffe. Donc là on va revenir ici, on a dit qu'on voulait faire ça. Plus 1 pour chaque mine. On voulait construire là. Voilà.
Et ça... Ouais, on sera dans l'autre ville, peut-être. Qui a 3 de population, c'est tout? Elle a 2. Ouais, bon, on fera grandir celle là-bas après. Ce serait intéressant d'avoir une mine de ça, non? Titanium, qu'est-ce que j'ai besoin le plus là? La bouffe. La bouffe, je suis à plus 2, donc ça va. Titanium ou tritium? Qu'est-ce qui serait le plus intéressant à produire? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai besoin de bouffe là? Ouais. Donc là, je vais prendre de la bouffe. Donc là, je peux changer, hein. Je peux aller chercher elle du coup qui. Ah ouais, je peux récupérer un projet pour gratuitement, mais bon, on garde celui-là. Il est bien pour le moment. Je pourrais construire ça. Là. C'est ça que je voulais faire en plus, non? Entertainment Center. Plus 2, super. Lui, il est un peu mieux, là, le public basse. Mais je suis pas encore assez. J'ai pas encore assez d'eau. Pourquoi le construire là-bas, celui-là? Ici. Par exemple. Tac, tac. Ou là. Ah ouais, ça, j'ai fait de la merde. Faut que je construise des trucs d'habitation par là, en fait. Est-ce que j'ai des trucs d'habitation? J'ai celui-là. J'ai celui-là aussi. Pourquoi se faire ça? Je vais faire ça. Ici, il faudrait que je booste la population dans celui-là. Voilà, comme ça, bam. Ok, plus 4, c'est intéressant du coup. Pas mal. Ok. On passe le tour. Ça, c'est pas mal. Homestead. Ça produit 6 de support et 1 de population. C'est intéressant. On va prendre ça. Là, on va s'étendre par là. Parce que c'est ça qui nous donne de la. C'est ça dont on a besoin pour faire des mines. Et du coup, on va explorer ça. 5. C'est pas beaucoup, mais ça ira. Je suis à 40 pile poil. Est-ce que je peux construire des trucs là? Non. Je peux rien construire. J'ai pas assez de bouffe. Ça va me permettre de. Température. Oui, ça va me donner des récompenses quand même d'améliorer tout ça. Donc ça peut être intéressant de construire ces trucs-là aussi. Du coup, j'ai eu aucun bâtiment à construire là-dessus, tiens. La dernière fois, enfin, dans ma partie d'essai, j'en avais eu plus que ça. J'en avais eu en tout cas. Donc, on va essayer d'aller au tour 30 hein, pour cette partie. Donc là, j'ai fait ça. Je peux rien construire, donc on va passer. Ah, je peux pas avoir plus de 10 projets. Oh là là. Quelle horreur. Ça y est, il va falloir que je commence à choisir. Les fermes, j'en ai trop. La bouffe, je produis assez de bouffe. Ça. Ah ouais, je pourrais construire ça le prochain tour. Hop, allez. Là. Allez, alors là, on a dit là-dedans. Je vais essayer de construire ça. Je suis à 3 de population là, pas plus. On va essayer d'augmenter. Je vais construire cette ferme là, ici. Voilà. Et il va falloir que je construise des trucs de population. Genre ça serait pas mal. Il me faut 10 de bouffe. Vas-y, go. Attends. Adjacents provide plus 1. Ouais, donc ça fait plus 1 de population. Bah là, vas-y. Tac, donc ça fait plus 1. D'accord. Ah ouais, je suis à plus 12. Bim.
Et oui, voilà. Ok, très bien. Et là, il faudra que je construise, ce serait pas mal. Le truc d'énergie, on construira dans l'autre. Ok, qu'est-ce que j'ai comme ressources? Plus grand chose. Donc, on peut passer notre tour. Bah, moins 9 encore. Donc, lui, sa popularité a descendu. Ok, donc on peut changer de leader, ce serait intéressant. Ah, voilà, ça serait pas mal d'avoir ce truc-là. Donc là, lui, il est populaire, ils sont tous populaires. Bon, je vais le garder pour le moment. Je suis encore à plus 2, donc ça. J'arrive plus à parler, c'est pas mal. Là, je peux pas aller là. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je peux explorer une région. Qu'est-ce que j'aurai besoin comme ressources? Ça, j'en ai besoin. Il n'y en a pas des dépôts là. Y en a des petits. Small, small. Ça va m'en donner un ou deux quoi. Faudrait que j'explore cette autour de cette ville quand même, ce serait pas mal. Ou celle-ci, hein. Je pourrais faire ça là, ça il va falloir que j'y fasse quoi, rapidos aussi. On va explorer. On va explorer. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'eau. J'ai pas besoin de science. Ça c'est pas mal. Un peu de tout. Plus 3, ça suffit, c'est pas mal. Ah non, j'ai que 3. Il faut 8. Alors. L'eau. Tiens, l'eau, j'en ai. L'eau, j'en ai besoin pour quoi? J'en ai besoin pour ça. C'est tout. L'eau, il m'en faut 1. Ouais, on va passer pour voir. Ça c'est pas mal du tout ça. Ça c'est pas mal du tout. Alors là j'ai beaucoup trop de ressources. Donc je peux construire ce truc. Donc les maisons adjacentes me donnent. Donc ça pourrait être pas mal à construire ici. Voilà. Ok. Ensuite, est-ce que j'explore ou est-ce que je prends de la bouffe? Je prends de la bouffe. Comme ça, je pourrais construire ça. Donner de la population dans mon autre ville, peut-être. Là. Ouais, pour mettre un truc là. Ça serait pas mal. Mais j'ai pas assez. Je peux faire ça aussi. C'est pas mal le Miner Cottage. Ça c'est pas mal, je vais mettre ça là plutôt. On va passer notre tour. Clac. Là on va prendre ça. On va revenir là. On va faire le tac Miner Cottage ici. Voilà. Là je dois être pas mal du coup, ouais. Ok, donc là ça va être c'est un truc d'habitation principalement. 7 de ça. Je suis à 37 sur 40. Comment ça 37 sur 40? Ah, c'est pas, ça va vite. 40, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup du tout. J'ai construit le truc là qui permet d'avoir des ressources en fonction du nombre d'habitations. C'est ça, ouais, voilà. Donc là, si je construis encore une habitation ici, je passe à plus 2 de ça. Ça pourrait être pas mal. Je suis à 10, faut que je sois à 14. Des fermes, j'avais dit que j'en construirais dans l'autre des fermes. Ici. Là, j'ai une ferme. J'avais dit que je pourrais en mettre une autre là et ce truc là ici. Donc là, faut que je sois à 14 de ça.
Ouais, on va passer un tour. Alors, je gagne 5 de support. Ou alors, je prends ce bâtiment-là. Ouais, je prends 5 de support. Hein. Ok. On va prendre ça. Là, j'ai trop de trucs, je crois. Hein. Ouais. J'ai trop de projets, j'ai trop de ressources. Alors. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? La science, j'en ai vraiment pas besoin du tout. Si j'en ai besoin pour ça, mais j'en veux pas de ça. Alors, remarque, ça fait plus 4 de support. Hein. Ouais, mais c'est pas top. C'est pas top. J'en veux pas de ma science. Par contre, j'ai bien envie de faire une station de résonance. Ici. Ah, ça, c'est dommage. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Il suffit que j'explore un truc où il y en a dedans. Du titanium là. Ah, il faut que je me fasse une mine de titanium aussi. Ouais, mais si j'en produis après. Tiens, on va explorer ça. 2, c'est tout. Donc 5, 6, 7. Voilà, on va construire ça. Ici. Voilà. On a une ferme avant, donc il me produit. Donc là, je suis à plus 3 d'électricité par tour, c'est pas mal. 47 sur 40. Je pourrais me faire une fabrique d'oxygène. Ouais, bah vas-y. Hein. On va la faire là-dedans. 5 power to remove. C'est un peu pénible ça. Ça, on va le faire. Voilà, on a dit là. Ok, donc là on va commencer à produire de ça. Dans 50 tours, je serai à 100, c'est ça? Je sais pas. On verra. Voilà, on passe notre tour. Boum. On produit pas mal de ressources. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on va pouvoir ici construire notre ferme. Ah oui, mais il me faut ça aussi pour ça. Construire notre ferme là. Et mais ça j'ai rien. Ouais, mais ça me sert à rien ça. Donc maintenant, là, ce qui serait bien à construire après, ce soit ça. Il faut que je produise de cette ressource là. J'ai une mine ici. Et pour en faire une mine, il me faut ça. Évidemment. Ce serait bien que j'en mine de ça. Vas-y, on va explorer ça. Ah mince, il y a une... je peux pas. Oh. Bon, on va explorer là. Voilà. Ça, 14, je suis à combien? 8. La science, on s'en bat les reins. On va passer notre tour. Je suis bientôt tour 30. Hein. Et je suis à 45 minutes de vidéo. Ah! J'ai besoin de ça, moi. Ça, ça me rapporte de la science. Et... les trucs à côté. Ouais. J'ai pas besoin de science. Alors. C'est pas mal ce jeu, hein. J'aime beaucoup. Hein. Alors, ici. Ah, je produis de la bouffe, c'est vrai. Si j'augmente de 1, j'ai dit ça faisait quoi là? Ah oui, je gagnais 1 de production, ça c'est pas mal ça.
marche, plus de support, provide, housing, et c'est pas affecté pour la... Ah ouais, mais j'ai pas les 7. Allez, on va faire ça. Ici, de toute façon, c'est pareil. Ici. Hop, là, on est à 2, très bien. Voilà, on tape à ça plus 3. Donc ça, c'est cool. Et là-bas, si je veux construire ça... 1, 2, 3, 4, 5... Ça, je peux le construire ici. Et là... Paf, je passe à plus 5 par tour de production en bouffe. Je peux enlever ça pour pouvoir construire une truc plus tard. Ok. Donc là, on commence à avoir pas mal de ressources. Est-ce que j'ai besoin de bouffe ou est-ce que j'ai besoin d'explorer? Non, j'ai peut-être plutôt besoin d'explorer. Je vais explorer ça ici. Est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça? 15, ça fait quoi ça? Ouais, non, je peux pas le mettre là. Ce sera pour une autre ville, ça. Ça sera pour une autre ville. Donc, pour le moment, j'ai plutôt vraiment besoin de ça. Vraiment plutôt besoin. 0, on va aller là. C'est adjacent en plus. Ouais. 3-3. Allez, c'est toujours ça de prix. Ok, donc là je peux passer. Alors, un nouveau leader est arrivé. PK Start a Young Activist. Ok, elle a commencé pour les droits des femmes. Elle a eu un prix Nobel de la paix. Ok. Alors, lui il veut se prendre sa retraite. Ouais, ok. Ok. Alors là. Le coût en énergie est réduit de... Ah, c'est pas mal, ça. Ou ça, le coût en ça. Ok. On va prendre ça. Donc, lui, il veut se retirer. Ah oui, il a 80 ans. Ok. Donc, on va profiter de son pouvoir... pour gagner de la nourriture. Non, on va changer de leader. Elle peut juste parler, c'est nul. Et elle peut récupérer un projet gratuitement. Ah lui, il a déjà 70 ans. Ah mais ils sont tous... Ah ouais, ils sont déjà hyper vieux. Ok, ils ont moins en moins de... Ah ouais. Unpopular, elle. Ok. C'est nul, ça. Ça, c'est mieux, par contre. Je vais prendre lui. Allez hop, voilà, et on a dit, donc on a trop de trucs là, ça on va le faire. Ah mais c'est pareil, dans cette ville c'est trop tard, je peux pas, faire ça, ou aussi pourquoi pas. Ou ça. Pourrais faire ça ici. Ouais non, ça me pourrit mon truc. Je sais pas. Je ne sais pas. Ça, j'ai pas envie de le faire. Ça, je pourrais le faire plus tard, on verra. J'ai pas envie de le construire tout de suite, ce truc. Ça me sert pas à grand chose là. Bon, on va passer. Ah mince, j'ai pas assez, j'ai trop de ressources. Qu'est-ce qu'on va vendre? De l'énergie? De l'énergie, allez hop. Hop, on passe. Ah, une ferme, ça s'intéresse. C'est quoi ça? Des robots. C'est quoi des robots? Autonomous building with drones for a wide variety of tasks. Ça j'en ai besoin, mais ça je sais pas ce que c'est. On va prendre ça pour le moment. Qu'on va d'ailleurs construire tout de suite ici. Bam. Pourquoi je peux pas le construire là? Sandstorm active in region. Oh zut.
Ah zut. Ok, donc toi tu vas t'étendre ici. Ok, et là on va construire ça serait pas mal. Mais il me faut 7 de ce truc là. 5, 6, 7. Hop. Paf. Voilà. Et pas du tout optimisé cette ville, hein, mais bon. Voilà. Je peux plus là, on est d'accord. Je peux plus les prendre, on est d'accord. Pourquoi il me propose de l'étendre alors que je ne peux pas? C'est bête. Ah oui, voilà. Moi je voulais récupérer de ces ressources. Oh, tiens là. Ah, je l'ai déjà fait. Allez, on passe. On va aller jusqu'au tour 30. Oh, moins 12. Bim, je suis encore à plus 3, heureusement. On va faire ça. Hein. Les bains publics, hein. C'est quand même bien les bains publics. Donc il va rapidement falloir. Alors là, on a dit. Je peux pas. Là, on va faire ça. Tac, comme ça on est bien ici en bouffe. Là. Va falloir faire des trucs comme ça. Faut vraiment que je me mette à produire de ça. Alors. Donc lui, il peut miner 4 de ça ici, s'il veut. Bah vas-y, ouais, mine ça. Boum, 4. Ah ouais, ça a marché, cool. Alors, maintenant, l'électricité, j'en ai pas besoin pour le moment. 1, 2, 3, 4. On va construire une mine là. Voilà. Là, il va bientôt falloir qu'on mette un péon ici pour agrandir notre ville. Ce serait intéressant. Peut-être qu'on va pouvoir faire une autre ville aussi. J'ai pas ce qu'il faut du tout. Mais bon, maintenant je produis un peu plus de ressources. Oui, là j'aurais pu faire une mine aussi. Faire des mines, ça peut être intéressant hein, de faire des mines. Parce que ça, j'en ai pas besoin du tout. Si, un petit peu. La bouffe, j'en ai pas besoin. Je suis à 5. Ça, j'en ai besoin ou pas? Pas pour le moment. 7, 8. 8. Je prends 8 de ça. Je peux me faire une mine de ce truc-là. Ou. Une mine de ce truc là. Ah mais je peux pas si. Ah mais non, je contrôle pas la région. Je vais me faire une mine de ça, tiens. Hop. Et ça m'augmente mes trucs. Ah ouais, mais c'est les mines dans la région de mon truc. Ah. Ok, c'est pas grave, c'est quand même bien. Voilà. Donc on va commencer. Faut qu'on mine de ça là, absolument. Faut qu'on s'étende ici là. Même si je m'étends ici, je pourrais pas construire une nouvelle ville là. Bam. Plutôt ça, non? Ah ouais, tiens, là, j'ai monté là. Je suis à plus 2 de ça. Ah, c'est cool. Donc ça, je suis bientôt à plus 20 de support. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est que je peux construire des villes. Je vais explorer ça. Paf. Je peux me construire une ville. C'est très intéressant. Est-ce que je me mets là? Ou est-ce que je me mets ailleurs? Ça, c'est quoi ça? Large météorite. Research station. Uranium mine. Ah. Station de recherche.
Ouais, mais j'ai pas besoin de recherche, moi. Ça me permet juste de faire ça, ça m'intéresse pas. Je préfère faire des mines. On va faire une ville. Ok. On va le mettre là. Voilà. Et dans cette ville, pour le moment, on ne fait rien. Ok. Faut mettre des trucs d'habitation. Ah oui, il y a ça qu'il faut que je fasse aussi. Bah vas-y, je passe. Oh, je suis à 56 minutes de vidéo là. Je suis pas encore au tour 30, dans 2 tours. Ah, ça c'est pas mal. Ça, on peut se le faire direct en plus. Est-ce que je le ferai pas là-dedans du coup? Si là je mets un truc qui permet d'améliorer la population, genre ça, les bains publics, ça pourrait être intéressant de mettre ça là. Et là, les bains publics, il me faut beaucoup d'eau. Pour avoir de l'eau, je peux vendre de ça que j'ai pas besoin. 12 d'eau, il me faut par contre, hein, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. 12 d'eau. Je peux miner de l'eau sinon. Je peux faire ça, ça. Ça en fait 5. Là, je fais bam bam bam. Ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Il me manque un d'eau. Hop, voilà. Je viens là. Je fais un bain public. Et là, on est pas mal ici. Là, je vais bientôt être à 20, là, je pense, quand je serai à 25, le prochain tour. C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal ça. Je pense que je sais pas, c'est pas, je sais pas s'il vaut mieux que j'explore ou que j'améliore mes trucs. Je pourrais construire ça là-dedans d'ailleurs, tiens. Pour pouvoir construire ces trucs-là après. Paf, voilà, c'est pas mal ça. Tac, je passe. Alors. Plus 5 pour chaque population, c'est pas mal. Double ressource production cistern. Oh, ça c'est pas mal aussi. J'ai pas besoin de ça en vrai. Ça c'est mieux. Ah, ok, donc il veut se retirer cette année. Ça c'est pas mal. Un centre. Mais j'avais dit que je voulais mettre ça moi plutôt. Ah non, attends, c'était quoi? Non, vas-y. Je peux mettre ça aussi. Ici. Ça, je peux le mettre là. Et je me fais des trucs avec des habitations encore. Ah, mais j'ai pas d'habitation. Merde. Par contre, je peux faire ces trucs. Genre. Ici. Je peux faire un truc comme ça. Voilà. Ok, donc j'ai encore le support de machin. Non. Lui, il veut changer. Mais il a déjà 80 ans. Elle est pas populaire. Faut que je prenne elle. Hein. Confirme. Hop. Ok. Donc maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ouais, là je suis à plus 20. New Victoria, machin. Ah oui, mais ça compte pas. Ah, ça me donne juste 20 en fait. Ah ouais, c'est pas une production de 20. Continue. Donc il serait temps de pouvoir peut-être commencer à faire ça. Peut-être construire ce truc-là. Économiser pour prendre ce truc-là. Un biogénérateur. Pour générer de l'atmosphère et de la chaleur. L'atmosphère, j'en produis déjà pas mal, hein. C'est peut-être pas indispensable, je sais pas, plutôt ça. Hein. Ah non, c'est pareil, c'est de l'atmosphère et de l'oxygène. Ça me produit de l'énergie, ça en plus, c'est pas mal. Ça. Ah, alors ça, ce serait bien de le mettre dans cette ville-là. Ah merde. Donc là, c'est pas mal, hein, c'est joli les dessins derrière. Donc là, j'ai ma production d'électricité, donc peut-être que je peux faire ça ici et ça là. Ce serait intéressant ça. Là, il me faut le truc bleu là, que j'ai pas du tout, évidemment. On va passer.
Ah. You have succeeded. You managed to develop the Martian civilization. Donc on a réussi à développer la civilisation martienne et garder le support de la Terre et de votre peuple pendant tant d'années. La bourgeonnante société martienne est en bonne voie pour terraformer la planète dans les années à venir. Encore beaucoup de challenges à faire face. Merci, l'humanité a atteint les étoiles. Ok, donc on a fini la démo du jeu. On a fini la démo du jeu. Et ben voilà, c'est parfait pour une vidéo de présentation du coup. Donc très très bien. On va revenir au menu. Donc après il y aura plus de leaders, etc. J'ai vu, j'ai pas le temps de tout lire, mais voilà. Donc très très bonne. Très très bonne petite découverte. Du coup, j'ai très très hâte que le jeu soit que le jeu sorte en fait, parce que il est très très bon là. J'aime beaucoup. C'est tout à fait mon style de jeu. Donc on va le suivre de près. Et voilà. Donc ça fait une bonne vidéo d'une bonne heure là pour la découverte de ce jeu. C'était très agréable. Allez, donc moi sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite. Enfin pour la suite non, pour une autre vidéo sur notre chaîne. Allez, salut à tous. Ciao.